Voilà, c'est ici, dans ce très joli petit village de Montcornet en Ardennes, qu'est né le projet du restaurant inclusif du Montcornu. Et quelques maisons gauloises au toit de chaume que nous allons aller voir. Et voici notre beau petit village gaulois avec ses maisons au toit de chaume. Et notre petit restaurant est juste au-dessus de ce village gaulois. Alors voici le restaurant, nous allons rentrer là. Hein. Et voilà la rampe d'accès. Frédéric. Voilà, oui c'est moi le père de Frédéric, mademoiselle Maude. Bon alors Nathalie, c'est la chef de la cuisine. On va dire ça. Bon alors, qu'est-ce que vous nous proposez Nathalie aujourd'hui? Un joli tableau là. Hein, alors aujourd'hui, il y a le faux filet, le rôti d'agneau, le burger brioché au poulet. Alors vous me conseillez ça? Le burger, oui. Oui, je vais essayer. Il est sympa, oui, la raquette. Il va y avoir les noix de joue de porc, mais... Ah, c'est bon, c'est ça. Un peu en avant, donc c'est pas prêt. Bon, alors, présentez-nous un peu votre équipe, là. Alors, Maud est en train de dresser les tables. Ouais, c'est important, vrai. Ça. Hein. Voilà. Si, à tout à l'heure. Alors, ici, nous avons Damien. Damien qui fait toutes les sauces, qui prépare les sauces, la sauce maroilles, la sauce moutarde. Il m'avait surpris par son talent. J'avais goûté une sauce moutarde. Ouais, élaborée par Damien, ça, c'était quelque chose, hein. Il est doué, hein. Il est doué. Il fait toujours exactement la même. Donc, ah oui, c'est parfait. Oui. Donc c'est un être précieux. Oui. Et alors, à gauche, nous avons Luc. Le beau Lucas. Qu'est-ce qu'il fait de beau, Lucas? Pizzaiolo. Le pizzaiolo. Mais il fait tout aussi. Ah oui. Il fait tout plein de choses. Hein. Et il ne se limite pas aux pizzas. Hein. Bon alors, qu'est-ce que c'est la meilleure pizza que vous ayez réalisée? Celle qui marche le mieux. Celle qui marche le mieux, dirons-nous. La pizza. La paysanne. Ah, la paysanne. La raclette, la fromage. Et la bleue sans bleu. La bleue sans bleu aussi. C'est beau ça. C'est toujours, mais la bleue sans bleu. Bon, ben, venez me présenter Maud. Ah, oui. Parce que alors, elle s'est déjà présentée elle-même. Hein. Nous avons notre petite Maud. Alors, Maud est serveuse. Ah, dis donc. Maud fait la plonge. Elle est polyvalente. Oui, elle a déjà fait des pizzas aussi. Ah, dis donc. Une seulement. Alors, faut l'appeler la pizza mode. La brigade n'est pas complète, ben, Nathalie. Non, il manque Quentin. Quentin, qui est serveur, qui s'occupe du bar. Et Louis aussi, mais Louis n'est là que le soir. Et Louis est serveur. D'accord. Il s'occupe aussi du bar. Mais on fait tous aussi de la plonge. Voilà. Oui, chacun met la main à la pâte dans tous les domaines, et c'est très bien comme ça. Mais c'est une belle idée. Alors, c'est un projet qui a été initié par qui? Par Gaëtan, le patron. Le patron. Voilà. Et alors, lui, il avait une formation d'éducateur ou bien ça lui a pris comme ça un beau matin? Oui, ça lui a pris comme ça, il a dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça a super bien fonctionné. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une réussite. Ça fait combien de temps que... Ça va faire 9 mois dans quelques jours. Ah, le temps d'une grossesse. Voilà. C'est magnifique. Et là, c'est vrai que là, ça commence. Puis même le restaurant commence à prendre forme aussi. Alors, il faut retenir, vous m'avez dit, principalement le week-end. Hein, oui.
Oui. Parce qu'il y a du monde, oui. Plus qu'il en faut. Vous avez des renforts quand même pour le week-end Gaëtan vient le vendredi, le samedi, le dimanche. D'accord. J'ai ma soeur qui vient m'aider un peu aussi. C'est bien aussi. Un peu beaucoup, elle vient le week-end. Oui. Et puis pour le moment, ben, non, la personne. Donc c'est un restaurant en plein essor. Oui, c'est ça. Neuf mois, vous avez donné naissance à un beau bébé. Ouais. Belle idée. Je trouve. Hein. Belle idée de ouais. Gaëtan Flamand. Ouais. Y a pas besoin, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être éducateur pour faire du bien autour de soi. Hein. Ouais. Et prendre des gens que la société laisse quelquefois un petit peu en marge. Et c'est dommage parce que ces gens sont bourrés de talent, sont courageux, souriants, accueillants. Et pas compliqués du tout. Ils sont tous bienveillants les uns. Et quant à vous, la chef, moi je peux dire qu'on se régale parce que je suis venu déjà plusieurs fois avant de faire mon article et de faire cette vidéo. C'est gentil. Et non, c'est pas gentil, c'est un constat. Et puis on est à l'aise. Moi, c'est vrai que je me sens bien ici. La plupart des gens qui viennent pensent exactement comme moi. Ouais. Parce que vous avez une équipe qui nous met à l'aise. Et puis c'est chouette d'être ici. C'est très familial en même temps. Donc, ben voilà. C'est très sympa. Enfin, moi j'aime. Vous aimez, moi, d'accord. J'aime venir hein, tous les matins. Hein. Qui voilà? C'est l'inspecteur Gadget. Bon alors là, je vous présente Quentin. Donc on a eu déjà une présentation par Nathalie, mais en votre absence alors. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Ah ben là, je m'occupe du bar, de la salle, service, un peu de tout. Voilà. Et vous êtes le fils de l'initiateur de cette belle maison. C'est ça. Qu'on appelle restaurant du Montcornu, et l'initiateur du projet est votre papa Gaëtan Flamand. Et vous travaillez donc en collaboration avec toute l'équipe, et c'est très bien, on a toujours un bon accueil de votre part, toujours un petit mot souriant et sympathique. On essaye au maximum, la richesse de cet endroit, c'est l'accueil. C'est ce qu'on disait avec Nathalie, voilà. Ça joue pas mal. Et les clients arrivent, voilà. Expliquez-moi ce que vous m'avez fait, le burger. C'est beau comme tout ça. Alors, je vous ai fait un burger au poulet. C'est un burger de poulet, comme ça d'ailleurs. Avec de la raclette au-dessus, salade, tomate, oignon. Donc, dans un petit pain brioché. Dans un petit pain brioché. Super bon. Elle est pas belle la vie. Si. Vous n'avez plus qu'à déguster maintenant. Merci Nathalie. Merci. Regardez-moi ça. Ah, dis donc. Alors, le mot de la fin? Bah, en principe, on dit « et puis c'est tout ». Et puis c'est tout. Ouais, merci Nathalie. Bon courage. Merci.